Wow. Dans son allocution, Jacquemain Chabani, secrétaire général de l'UDPS, fait remarquer que l'aboutissement apaisé du processus électoral en cours exige que la transparence et la crédibilité ne soient pas hypothétiques. Cependant, l'Union pour la démocratie et le progrès social attire l'attention particulière de l'opinion nationale et internationale suite aux irrégularités jugées flagrantes et massives durant le déroulement des opérations de révision du fichier électoral sur toute l'étendue de la RD Congo par la CENI. C'est ce qui justifie d'ailleurs la marche du 1er septembre prochain dans toute l'étendue de la République. L'UDPS dénonçait ces irrégularités, exprimait ses vives inquiétudes et exigeait des correctifs nécessaires pour garantir la transparence en vue de la crédibilité du processus électoral. Par ailleurs, l'UDPS prend acte de l'ouverture faite par la CENI en acceptant que les experts de la majorité et de l'opposition accèdent aux installations de la CENI. Par contre, l'UDPS s'étonne de la manière dont a été guidé l'audit indépendant du fichier électoral. D'autre part, elle s'étonne que le président de la CENI ne se puisse confondre à ce stade crucial du processus électoral un audit indépendant du fichier électoral tel que réclamé par l'UDPS avec une visite touristique guidée des installations de la CENI.